On est de retour dans le biome du DLC. Alors, dans le biome du DLC, est-ce qu'on est en... Ouais, on est équipé pour la construction. Alors, le biome du DLC, on a pas mal de choses à faire. Alors, attends, hop, je vais oublier celui-là. Sinon, ils sont tous connectés, hein, on est d'accord. Ouais, on est bon. Très bien. On a légèrement trop d'énergie en fait. On a légèrement trop d'énergie. Là, on fait du 1100 avec seulement ça. Ça marche à fond. On a 5600 de produits encore. Ça fonctionne à fond. Bah c'est cool. Bah c'est cool. Hein, qu'est-ce que je vous dis? Ok, on va faire une ligne de défense ici. Ce sera notre deuxième base. Alors on va faire deux murs comme ça là. Je pense. Comme j'ai dit, comme ça nous fera un petit avant-poste en fait. Pourquoi ben, j'ai pas trop envie de me faire chier en fait à faire toute la zone, comme j'ai dit. Parce que ici on va pas. Ça va pas être notre. Comment dire. C'est pas notre base principale ici. Donc du coup, on va pas y passer longtemps non plus. Là on fait les nouvelles choses, mais bon, après voilà, on va pas rester 3000 ans non plus. Mais on va faire un truc potable, on va faire un truc joli. On a encore 240. Voilà, très bien. Ouais, on est encore un peu à peu près 200. J'essaie de trouver mes mots. Ok, très bien. Putain, ça va être juste sur la base, sur notre avant-poste. Je crois. Très bien. Voilà, nickel. Hop là. Alors là, on va sûrement avoir besoin d'énergie, par contre, pour alimenter tout ça, non? Même pas? Ah, intéressant. Intéressant. Après, on peut connecter, hein, mais... Ça connecte, là? Ah, j'ai même pas mis de téléporteur, quel con. Un peu oublié.
nickel. Et il nous faut un détecteur aussi. Voilà, ça c'est avec des protections, avec des boucliers, tout ça. On est à 600. Très bien, ça fait deux chacun. Nickel. Par contre, là, tout ça, ça va se faire défoncer. J'avoue que ça fait chier, là. On peut aller peut-être se les faire une partie. Ouais, on peut peut-être aller se les faire. On va voir. Je vois strictement rien. Alors là, c'est de l'horreur par contre. C'est tout? Bon bah nickel. Bon j'avoue que c'est cher. Ouais non ça va le... avec le nombre de ressources qu'on a. C'est pas très grave de reconstruire à chaque fois. On va dire que ça devient un peu relou par contre. Je vais être honnête, ça devient un peu relou. Surtout que en fait on reconstruit plus ou moins pour... Qu'est-ce qu'il y a ? Ok, on s'en fout. En plus, on construit un peu pour rien parce qu'on est à fond en cobalt. Donc j'avoue que ça casse un peu les noix. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire? Genre téléporter le jus pour alimenter des tourelles? Oh, 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 oh. Ça fait mal. Carbonium, on peut le récupérer, c'est vrai que là maintenant on commence à... Enfin on n'a plus de problème de... On n'a plus de problème de puissance en fait, donc j'avoue que là maintenant bon... Voilà. Voilà, 55, 60, 66. Ouais, très bien. Et on est en... On est plein avec le... Alors, ce que je voudrais... C'est quoi ce qui bouge? Ouais, c'est un gros caillou, sûrement. Je voudrais finir cette petite base, là, parce que j'aime beaucoup, en fait, ce que j'ai fait. Et en plus, avec les nouveaux trucs, c'est assez drôle, en fait, de construire, j'avoue. Ça décore le sol et tout, c'est marrant. Donc, je voudrais quand même... faire un truc. Après on fera les anomalies bizarres là. Ne vous inquiétez pas, après on avance. C'est juste que là, zone de DLC, on fait un peu... On construit un peu.
Ouais, très bien. Très bien. Hop. Hop. Tuyau. Voilà. Et électricité. Voilà. Après, on pourrait enlever tous les réacteurs qu'on a mis là sur du corps sur le métal bleu. Je vais y arriver un jour à dire le nom. Mais faudrait retourner en fait. Enfin, faudrait repartir, aller le récupérer et le cultiver quoi. Alors là, après, qu'est-ce qu'on peut faire après? Là, on peut bloquer ici. Ouais, on s'en fout. Oh, sauvegarde. Wind speed is at a low today. Wind turbines are less effective. T'inquiète pas, on a. On n'a vraiment plus besoin de. Plus besoin de rien là. Ah, la musique qui s'énerve, ça y est. On a encore combien d'IA? 211 encore, putain. Ça va, quoi. Je pense qu'on est bon niveau IA. Connecté, très bien. Et maintenant il nous faut ça, ça, et on met les tuyaux. Voilà, allez, bleu piong. Voilà, ça aussi, nickel. On est toujours au max, tu vois, c'est bon. Vraiment, vraiment, vraiment cool. Ah, je suis bloqué. Là, on peut connecter aussi les trucs. Comment on fait ? En fait, on pourrait un peu mettre des murs partout qui protègent avec ces. Avec ce nouveau système. C'est un peu abusé en fait. Je viens de me rendre compte. Parce que c'est tellement facile en fait de protéger, ça met des boucliers et tout ça. Puis ça prend pas de place d'IA. Je trouve ça vraiment sympa. En fait. Aggressive.
Ok, ça va. La base, elle va pas avoir de problème. Alors là. Hop. Hop. Est-ce qu'on peut. Non. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est pas beau. Merde. Hop, nickel. On a encore un mur. Là, ça va, ça risque rien du tout. Là, je fais un peu un système un peu bizarre, je vais être honnête. Hein, parce que là, c'est plus vraiment un avant-poste, en fait. C'est plus ou moins des murs partout. J'ai envie de dire. Mais bon, comme j'ai dit, rien que le fait d'avoir un bouclier là qui protège comme ça, ça rend tout beaucoup plus résistant, quoi. Et je me demande même si les. Si ça, ça peut pas faire le taf solo en fait. Je suis en train de me demander. Genre on aurait même pas besoin de les alimenter. Je veux dire les tourelles aliens là. Est-ce qu'elles peuvent pas, genre, décimer les vagues solo? Parce que les vagues, elles sont pas énormes, hein. Elles sont pas vraiment puissantes. En fait, je pense que je fais encore de l'overkill à chaque fois. Je crois honnêtement que je fais de l'overkill. Hein. On n'a pas besoin de faire un truc. Aussi abusé, encore une fois. Voilà, très bien. Hop là. Je suis sûr qu'il n'y a rien qui va casser. Ah, est-ce que c'est que des trucs qui... C'est beaucoup de trucs qui volent en fait. On va continuer notre petite base. Genre, si on fait ça... Ah oui, je voudrais tester un truc. Je vais tester un truc avec le liquide, là. Alors, c'est quoi qui le fait téléporter? Non, ça, on s'en fout. Donc. Décompresseur de liquide. Ça va, la vague a été détruite, apparemment. Décompresseur de liquide. Là, on va aussi faire des réserves de liquide. Genre comme ça. Putain, il y a encore Virgile, quoi. Ah, c'est Virgile, hein, il est violent. Ah, par contre, un truc qu'il pourrait montrer, c'est quand on veut placer une des tourelles. Ouais, mais après, c'est considéré comme une tourelle attaque en fait, pas comme un soin. Parce que les soins, on les voit, mais les tourelles attaque, on voit pas. Donc, je comprends pourquoi. Mais je voudrais bien voir la zone, parce que vu que c'est une protection aussi, quand même.
Voilà, et là on va faire le truc qui fait téléporter compresseur de liquide. Comme ça. Si on peut protéger les choses comme ça, honnêtement, go. Hein. Moi je dis go, hein. C'est beaucoup plus simple. Après, on peut mettre un système comme ça. Je sais pas, un truc avec des drones. J'en sais rien. Et avec des mines. Et après on met un mur. Ah mais là je refais encore un peu le même système en fait. Parce qu'il faut le courant quand même. Alors ça... Putain c'est pas fini la construction du machin. Après, est-ce si le bouclier maintient le truc en vie, on est bon, hein? On n'a pas besoin de mur. Hein. Il est où notre téléporteur, il est là. Ça, ça augmente. Ouais, on est déjà au plus, on est déjà au max. On est déjà au max. Voilà, très bien. Je suis content, c'est vraiment fun de jouer avec ça en fait. C'est vraiment sympathique ce système. Vraiment cool. Parce que là on pourrait faire que ça en fait partout du coup. Si ça marche bien. Hop, équipé. Tada! Voilà, à chaque fois ça en balance 100 en fait. Toutes les je sais pas combien de secondes. C'est ça, hein, c'est bien ce que j'ai compris. Hein. Là, il y en a 30. 330. Normalement, ça va monter à 100. Ou pas. Ah non, c'est en continu. C'est juste que là, ça fait 25 x 4. Bah non, du coup. Pourquoi il y a 30? Je comprends pas les mathématiques, honnêtement. Je comprends pas du tout les mathématiques. Et si je mets une réserve là, ça fait quoi? Ça fait quoi si je mets une réserve ici? Ça va la remplir ou pas? Faudra voir si ça tient ça. C'est quoi ce drone? Wind has stopped. This will affect wind turbine power generation. Ah, c'est les mines, pardon. Ouais non, ça la remplit pas. Je vais attendre juste une seconde encore. Genre je vais attendre encore une animation, voir si ça rajoute du produit ou pas. Non. Non, non, on enlève ça. Ça c'est pas bien ça. Mais ça peut alimenter donc des tuyaux comme ça. C'est pas mal. Maintenant on est à 31 au lieu de 30. Trop bien. Là, pareil. On peut encore faire des défenses un peu... Un peu comme ça. Bon là on est juste à côté. Hein.
nickel. 1200, 1500 même. Ah, attends, viens, viens toi. Attaque. Mais attaque la structure du coup. Vous attaquez les petits trucs quoi, vous me foutez de ma gueule. Ok, il y a les toiles qui s'énervent. Oh oh oh! Ah, par contre, le bouclier, il est commun. Ah. Ok, ça, j'avais pas prévu, ça. Ah, d'accord. Ça, ça pose un problème, par contre. Parce qu'on a vu qu'en fait, ils ont détruit le bouclier grâce à ça. C'est bizarre ça. C'est étrange. Très étrange. Non, on va être dans la merde. On n'a rien de prêt. Est-ce qu'on a du produit là? Non, on n'a pas de produit. Le temps que ça se finisse, ça. Quand le compresseur liquide là, c'est mort. À 1 minute 20, on n'aura pas le temps. Ça va.
10 secondes. Allez, allez. Bingo. Oh non, c'est un par un. On peut pas... Putain, on peut pas en équiper plusieurs en fait. Genre avec un seul... Ouais non, d'accord, ok, j'ai capté. Putain, fais chier. Enfin, à chaque fois que j'en crée un autre en fait. Ah, c'est con. Enfin, c'est con. Ouais, c'est pas vraiment... Je comprends, mais bon. Donc à chaque fois il en faudrait un autre. Oh là là, putain, c'est relou. Donc bah donc merde. On en apprend des trucs, c'est bien. I'm detecting a decrease in wind speed. This may affect our wind turbines. Genre ça c'est dangereux. Attends, peut-être on va me mettre là, c'est un peu mieux protégé, non? Ah, ça m'embête. Bon, après on va faire l'histoire. Hein. Après on va se concentrer sur l'histoire. Je promets. Voilà, là on a plein de... Je me demande si on a besoin de générer encore de... Non, je pense pas honnêtement. Par contre, on peut faire des réserves à la limite. Je fais complètement de l'overkill. Mais c'est fun. Voilà. C'est vrai que c'est fun. Je suis en train de m'amuser moi avec tout ça. Ah, nickel. Donc... Ok, ça c'est fait. Je vais mettre un téléporteur ici, parce que je crois que j'en ai... Non, si, j'en ai un. Donc nous, on voulait mettre là. Hop là, voilà, nickel. Nickel, nickel. Bon, si on analysait cette merde là. On va s'équiper d'abord, parce que... Il faut voir un peu les ressources. De toute façon, on commence à arriver à la fin des recherches, là. Petit à petit. Ah, le corrosif, je crois que... Le pisseux corrosif, on doit le faire pour un moment, pour l'histoire. Compresseur liquide supérieur. Pour les armes, honnêtement, on est bon. J'ai besoin de rien d'autre. Il faut juste les ressources pour pouvoir les créer. Tour morphine 2, ça c'est bien.
Ok, on s'équipe et on fait l'histoire. Quoique, enfin non, peut-être pas, on est peut-être pas obligé de s'équiper parce qu'on va sûrement devoir construire. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Non, on doit émetteur de signal fort, émetteur de signal faible. Ok, donc tu veux que je fasse quoi? Tu veux que j'aille dedans? Ça c'est du cobalt. J'avais dit qu'on allait faire l'histoire, je sais. Alors, comment tu veux que je rentre dedans? Est-ce qu'il y a... genre un truc à remplir, comme... Ah, faut peut-être mettre une... Oh! Tu crois qu'il faut mettre une tour? Juste devant, là, qui va bouffer le mur? Genre là? Comme ça? Je sais pas. On va voir. Bon, on va voir direct, parce que c'est juste là. Ça m'étonnerait, hein. The wind is picking up speed. Loose objects are starting to fly. Wind is picking up again. Power generation is back to normal. Ça tue. Attends, y a quoi dedans? The wind is much stronger than usual. What happened? Ouais, attends, doucement. Ça me fait un peu peur. Non. Genre on pourrait faire une base à l'intérieur de ça? Genre super protégé? It looks like these rocks melted from intense heat. That is possible, Ashley. The object in the center of this area is still sending out strong energy emissions. And whatever happened here must have happened a long time ago. Tu veux que je fasse quoi? Que je... j'aille dedans? Something was destroyed here. Maybe we can create something useful from this wreckage. Is this an ancient battlefield? Warning! Unknown threat incoming! C'est quoi ça? What the fuck? Ça se... What was that? I don't see how this could be a mutated local species. And they ambushed us here. I don't think these ancient aliens are dead, and I don't think they like us. We have to find out if there are more of them on this planet. Okay. I agree, Ashley. An advanced hostile civilization could threaten our mission and all of humanity. Ouais, sans déconner. They could possess control of the Rift Station. Donc là, il y a encore d'autres murs qu'on peut détruire. Donc là, je viens d'ouvrir... genre un accès à notre base, quoi. Ah, merde, il y avait... Oh, il y a cela aussi, ça s'est ouvert quand j'ai placé... Ah, ouais. Ça s'est ouvert quand j'ai placé celui-là, sûrement. Et j'avais pas fait gaffe. D'accord. Oh là. Pourquoi j'ai pas de téléporteur ici? The wind is calming down. Wind turbine power output is coming back to normal. Voilà, très bien.
On va aller voir le vert. Par contre, on va peut-être pas ouvrir dans notre base. Alors, je vais voir un peu. The dark energy emissions are coming from inside this crater. But the entrance is blocked by the same type of structures okay, that were present near the alien morphium tower wreckage. Ouais, j'ai compris. C'est ça? Can we rift jump inside there? Non. No. The energy field in that crater is too strong. It could scramble us. Alors. Okay, we wouldn't want that. Maybe we should place our own morphium tower near this barricade to remove it. Ah, il va me falloir le truc. On va changer parce que sinon ça va mettre genre 3 minutes à se faire. Il me faut du produit parce qu'on est trop loin en fait des mares donc. Coproduit, téléportation. Voilà, 1 minute 25. Sans déconner là pour l'attaque. Bah tiens, ça va s'arrêter là. Sur le mur peut-être. Ou peut-être à l'intérieur. Vu que j'ai pas fini. Ça va être bien. Ça va être bien, dis-moi. Là, on va ouvrir ça alors qu'on a une... truc qui approche. Une vague qui approche. On va peut-être attendre la vague, non? Je sais pas. On va peut-être attendre la vague quand même. C'est vachement ouvert. Quoique après ils peuvent pas passer l'eau aussi. Donc ils vont se... ils peuvent pas passer là. Ils vont pas sûrement... ils vont sûrement pas passer là. Par contre là oui. Là je dirais que oui. Ils peuvent peut-être passer comme ça. On va attendre. On va voir où ça passe. Voilà, nickel.
Oh le bordel. Bah bah, ça marche bien. Et après... Je sais, je mets du temps parce que chaque fois je place des trucs et tout. J'avance super lentement dans l'histoire, je sais. Hop. On est bon. The storm is getting really intense. Voilà. Maintenant, on choisit le produit. Hop là, c'est parti. Ça me fait un peu peur. De toute façon, si jamais ça part en couille, on se replie sur le mur. C'est quoi ça? Marre de morphium. Okay. Things didn't go well for them on this planet. Was it the local fauna that destroyed them? Are we going to suffer the same fate? We're aliens, just like they were. Ah, attends, il y a du bordel derrière. An advanced civilization with such sophisticated technology would not be threatened by the primitive creatures that we've encountered on this planet. The local creatures are quite a threat to us, and I'm sure we haven't seen everything this planet has to offer. And if the local fauna didn't destroy them, then what did? They could have been destroyed by natural disasters. Or they could have been destroyed by another civilization. Ou par eux-mêmes. They could have destroyed themselves. Aha! Okay, you're right. There's no point in speculating. Let's search for more information. C'est bon? We have analyzed all of the dark energy wave emissions present in this area. I was able to fine-tune our equipment. Thanks to the data and the morphium research that we conducted here, I have located a new planetary location that contains dark energy wave emissions similar to the ones that we've encountered in this area. Ok, donc ça c'était juste le début. Tu vas me dire que t'en as trouvé d'autres? Jump to that location as soon as possible. Ok. The weather has calmed down. On peut pas construire ici. On va pas construire ici. Apparemment, il n'y a pas assez de produits là. Ou à moins, c'est coupé. Non, il n'y en a pas assez en fait. Bon, après, est-ce qu'on en a quelque chose à faire? C'est ça la question. Bon bah du coup on a fini là. Ah voilà. Ah putain ça repart en fait. Quand c'est désactivé. Putain c'est marrant. Ça y est maintenant il y en a assez je crois. Ouais.
Il y en a assez. Il y avait trop de tourelles en fait. D'accord, donc bah maintenant on peut partir. Nickel, nickel, nickel. Donc là, on a plein de trucs qui marchent. On crée du cobalt à foison, enfin je crois. Oh, on a le plasma lourd et on a quoi? C'est quoi ça? Cet ensemble de plans permet aux Riftbreakers de construire des murs énergétiques, ces barrières qui utilisent des rayons laser hautement concentrés comme base de leur structure. Elles ne sont pas aussi résistantes que les murs solides, mais ils sont bien plus... Sûrement ils font des dégâts en fait. Ouais, ils font sûrement des dégâts j'imagine. Dégâts, ouais. Ne mettez pas vos mains dessus, vous risquez de vous faire piquer très fort. Alors, ce qu'on pourrait faire ça, genre une rangée de ça, et après une rangée de murs, de vrais murs. Ce sera intéressant. On peut même augmenter déjà. Niveau 2. Alors, j'ai vu qu'on avait des choses à construire, mais ouais, une gamme extrême. Alors, le plasma lourd, on va voir un peu ce que ça donne. Ça c'est nouveau. On peut le charger. Ouh! Ah, on peut. Si on le tient, maintient, donc ça fait un bouclier. Et on peut tirer en fait avec. Et après, si on relâche, ça tire. Et après, on peut faire ça aussi. Pas mal. Pas mal, pas mal. C'est... Je sais pas si ça va être utile. Faudra voir au plus gros niveau. On va rentrer à la base. Peut-être qu'avant de partir, on va augmenter... Je sais pas, la réserve. Pour avoir plus de réserves, de cobalt et tout ça. The wind is very slow today. Wind turbine efficiency is not going to be that genre great. Ça, là. Les zones de cobalt, on devrait peut-être... Avant de partir, je vais peut-être les rattacher pour la recherche, pour le récupérer. Et après on part. Ça on pourrait le faire aussi. Oh la vache. Pas tombé. Attends, le cobalt c'est où? Là? Non. Ça aussi. Et après on part en fait, comme ça, ça va nous permettre de recevoir les ressources en fait. Faut juste qu'il n'y ait pas d'événements qui se déclenchent entre temps. Ça nous fera un surplus de ressources. Parce qu'en fait, alors, si je comprends bien, si je crois bien savoir comment ça fonctionne, il va pas...
le monde est en stop en fait. Le monde se freeze en fait. Et ce qui va rester, putain, on se fait attaquer. Ce qui va rester, c'est le taux de ressources que vous récupérez. Donc tant que vous avez de l'énergie et que tout va bien, bah ça marche. Voilà. Il faut juste qu'on finisse tout ça. Là, avec tout le cobalt qu'on récupère, honnêtement, ça se... on va le garder, ce monde. Hein. Je veux pas dire, mais... Là, on est bien. Hein. C'est bien, ici. Ça, c'est les nouvelles... nouveaux trucs. Ah, ok. On a 61 de trucs. Wind is picking up again. Power generation is back to normal. Cobalt. Et après, on rentre à la maison. Encore une minute à attendre. An enemy attack is imminent. We should build stronger defenses around our base. Je sais pas si on va rester, si on a besoin de rester en fait. Moi, j'ai pas envie de rester en fait. Je crois que je vais attendre que ça se finisse, puis après on se casse. On va attendre les 40 secondes, puis après on se casse. Je vais faire une sauvegarde rapide d'abord. Enfin ouais, on peut la faire maintenant. Juste pour voir si ça merde pas, parce que je sais pas ce que ça fait. Parce que là, on a une attaque en fait. Donc est-ce qu'on peut partir? Est-ce que ça va pas foutre la merde en disant qu'on n'était pas là? Du coup, ça a tout détruit. Vous voyez, des trucs comme ça. J'attends juste que ça finisse. Et après, on est bon. Faut vraiment qu'on augmente ça. Putain, on a 5 millions d'énergie quoi, c'est ouf, c'est n'importe quoi. Bah voilà. Nickel. Donc quartier général. Ah, on peut pas ouvrir la faille. Attaque en cours. Ouais, ok, d'accord, c'est bien ce que je pensais. Donc on peut pas. Je pense que ça aurait été un peu aussi débile de pouvoir partir pendant une attaque. Ouais, je suis pas trop étonné en fait. Oh merde. Danger. Enemy creatures are closing in. Okay. Get ready to fight. Là on a aussi encore du cobalt. On va se replier ici, je pense.
Ah, je peux pas tirer. Ça me fait des dégâts à moi là. Non. Ah oh, putain, y'en a qui sont allés à gauche quoi. Tu te fous de ma gueule. Ouais, moi je peux. Ouais, on est bon. Oh la ta mère. Oh mon dieu. Voilà. Aïe 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 aïe. Allez, c'est reparti. Et une fois que j'ai refait les trucs, là on reviendra pas. Hein. C'est fini. Cobalt là, agavé. The weather's changing. Wind is slowing down. Si tu le dis. Si tu le dis, ma grande. Wind has stopped. This will affect wind turbine power generation. Ça va. Ça, c'est rapide à construire. C'est quand qu'on peut pas prendre ce produit là et le ramener dans notre biome? Ce serait vachement bien. Bon, ça a été construit là les machins. Non, c'est une seule minute donc ça devrait être bon maintenant. 30 secondes. Oh la vache! Lâche-moi la grappe. Enfin si, allez, on va la tuer parce qu'on n'est pas loin. Allez, on n'est pas loin. Ça nous fera passer les 30 secondes et après on se casse. Putain, mais t'es un truc géant. Ah bah voilà. I wonder what made it so aggressive. Maybe we can learn something important after researching it in a lab. Ça marche. Allez, on se casse. Pourquoi on est à moins 1600 d'énergie? Enfin, je crois que... Ah oui, c'est parce qu'il n'y a pas de vent. Mais je crois que c'est bon, on peut partir. Je sais pas, j'attends que le vent revienne. Oh, ça m'énerve de ça. De pas savoir si c'est bon ou pas.
Ok. Ouais, c'est bon, on se casse. C'est ça qui est chiant. Est-ce que ça va pas merder le truc? On va voir. Alors, en tout cas, là on est bien. Après, on a une émission d'énergie noire. Donc là, ça c'est élevé. Là, il y a du cobalt, du fer, du carbone, un peu de zinite. C'est pas vraiment important. Mais après, je pense pas qu'on va directement aller là. Ça, on y retournera sûrement jamais, honnêtement. Parce que là, le cobalt, ça fait que pomper. Donc ça va, on va l'avoir. Par contre, il faudrait faire ça. Les zones avec les autres ressources pour qu'on commence à crafter des trucs. Genre là par exemple, la rhodonite dans les plaines acides. Ben, il faudrait qu'on parte pour la rhodonite, ça serait vachement bien. Je crois que c'est ce que je vais faire, je crois. Rhodonite. Pa, 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 pa. On va voir ce qu'on peut augmenter dans notre base. On va pas faire grand chose, qu'on est déjà à plus d'une heure. Mais maintenant, on peut faire. Les murs électriques là et tout ça, ça c'est pas mal ça. J'ai envie de remplacer les murs, les dernières rangées de murs en fait en murs électriques partout dans la base. Ça peut être bien. Voilà. Hop, que ça charge tout. Putain, il y a des. Tout est fini quoi. Alors. Tiens, on peut rajouter des trucs. Ah, le bruit! Alors, des labos. Non, labo, c'est avec de l'eau. Ah, ah, ah! Là, je suis en train de faire un labo niveau 3. Ça marche. Et le quartier général, on peut aussi l'augmenter. Ça, on fera la prochaine fois. Ça aussi, on peut l'augmenter. Donc, production, encore plus de... Ah oui, tout ce qui est en cobalt, maintenant. On peut tout augmenter, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Entrepôt... Non. Station de recherche, on s'en fout. Armurerie niveau 5. C'est ça les armureries? Oui, armurerie, ok. Ouais, tu me fais un peu chier s'il n'y a pas de place. Voilà, nickel. It seems like the earthquake has uncovered something interesting. Let's investigate. Bah ça me fait plaisir. Ouais, non, tout ce qui est cobalt. We're lucky today. It's a new resource deposit. Tout ce qui est cobalt, du coup, on peut l'augmenter maintenant. Mettre des trucs pour réparer un peu partout aussi parce que c'est vrai qu'on en avait pas. J'avoue que là c'est bien. Je crois qu'on va finir ça la prochaine fois par contre. Ça c'est quoi ça? Ah oui, usine à munitions, on s'en fout. Oh la vache, ça lag. Oh ça lag, oh là là.
J'en mets beaucoup en fait des trucs de soins parce que quand il va avoir des, bah, comme là par exemple, tremblement de terre et tout ça, ça va être méga méga relou de se balader, de devoir tout... Devoir tout réparer soi-même en fait. Ça on peut l'enlever. Voilà, très bien. Elle est haute à nouvelle ressource. Ok. Super, merci. On va devoir s'arrêter là de toute façon. Mais ouais. On, vu que maintenant on a du cobalt, on va pouvoir arranger encore la base. Enfin l'arranger, l'améliorer plutôt. Donc ça va être vraiment bien. Oula, je crois que là c'est en train de calculer. Ouais. Ouais, regardez le, le courant maximum. Là ça vient de monter. Ça va. Genre là on pourrait faire ça. Est-ce qu'on peut les remplacer? Non, on peut pas les remplacer. Voilà, pas mal comme ça. Ça c'était stylé hein. Bon, on va arrêter parce que sinon je vais jamais m'arrêter en fait. Je vais jamais m'arrêter. On va devoir continuer à améliorer notre base. Et à retirer les choses, à les changer, etc. etc. Voilà. Allez, à la prochaine, portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao ciao, on va nettoyer la base tout simplement. On a 1300 IA en tout. On peut en avoir 700 encore. On va améliorer la base, on va retirer tous les trucs qui sont finis, essayer d'en trouver des nouveaux, finir les nouveaux, etc. etc. Et améliorer ouais, la base avec le cobalt qu'on a récupéré. Voilà. À la prochaine. Ciao, ciao. On va sauvegarder.